Salut à tous, c'est Capman TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Super Sunday de ce dimanche, le 24 octobre. Et on va vous commenter 4 matchs. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec mon poteau, mon frérot, mon meilleur pote, Valentin. Il va se présenter très rapidement. Salut, moi c'est Val, du coup, ami de Bassin qui m'a invité pour cette vidéo assez spéciale puisqu'il y a 4 grandes affiches ce week-end. Donc on est prêt pour les commenter et donner nos pronostics pour ce week-end. Bon, comme vous pouvez le voir, on a essayé de limiter tout ce qui est commentateur pour pouvoir justement nous commenter parce qu'on a vu que sur une dernière vidéo, c'était pas terrible. J'ai réduit aussi le son du public, etc. pour pouvoir discuter, enfin nous entendre discuter et commenter. Et aujourd'hui, on va commencer directement par le premier match de ce dimanche, la plus grosse affiche de ce dimanche en début d'après-midi à 16h à peu près, c'est le Classico. Le Classico, Barça-Real, donc le match sera au Nou Camp. On peut parler de plus grosses affiches, de la plus grosse affiche ce week-end, peut-être pas. Enfin, c'est vrai que depuis quelques temps, le Classico a une saveur assez particulière depuis le départ de Messi et avant celui de Ronaldo. Mais ça reste un Classico, un match important et regardé partout dans le monde. Enfin, on va faire un petit pronom avant que le match commence, car on va faire comme d'habitude les actions, les moments clés juste du match et le résultat à la fin. Donc pour toi, qui va gagner dans ce Classico espagnol? Alors moi pour le Classico, je vois une victoire du Real Madrid 2-1. Et pour moi pour ce Classico, je vois 2-0 Real Madrid aussi. Je pense qu'ils sont plus en forme que le Barça, même si le Barça en Ligue des Champions a su gagner leur première victoire. Et reviennent bien, enfin ils ont des coups de moins bien, des fois ça va. Donc on va voir à l'issue de ce match. Allez, coup d'envoi dans quelques instants, c'est parti. Kun Agüero qui sera présent, je pense, pour ce match. Donc là, Barcelone a le ballon, Pedri donc il est en attaque avec. Et donc là, la première action est clairement barcelonaise. Bon, c'est bien joué, c'est bien défendu. Dembélé, j'espère qu'il va faire un grand match s'il est bien sûr titulaire dans ce Classico. Même si on voit que Ansu Fati est énorme et il n'est pas titularisé dans ce match. Fati qui fera son premier Classico avec le numéro 10. On verra si s'il fera un grand match. En tout cas, Ansu Fati, je pense que c'est un peu la petite lumière du Barça. C'est vrai que depuis quelques temps, le Barça est en régression. Ça se passe pas très bien. Et Ansu Fati, c'est un peu l'espoir de tout un club. Et on espère qu'il saura relever cette épreuve avec le numéro 10 sur le dos. Redonner une gloire d'antan au FC Barcelone. Et là, l'action de Benzema. Benzema, grosse année, qui est dans les nominés du Ballon d'Or. On va voir dans ce match s'il va être présent. En tout cas, on l'espère dans la vraie vie. Car aujourd'hui, c'est un grand. Il marque à chaque match quasiment. Donc on attend beaucoup de lui. Mais c'est Rodrigo, on le voit assez présent dans les matchs avec le Real, en tout cas. Et si je dis pas de bêtises, les votes du Ballon d'Or se termineront dans 3-4 jours. Donc ça veut dire que le Classico pour Benzema, c'est le dernier match avant la clôture des votes. Décisif, et qui peut être décisif pour un potentiel Ballon d'Or pour Benzema qui Ouh, l'action. Qui cette année le mérite plus que les autres années et qui peut être qui est figure d'insider, voire favori pour cette année. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, on a vu un beau jeu du FC Barcelone. Bon, on voit que le match est quand même très très haché. Donc, il y a eu quelques actions, mais pas beaucoup en fait dans ce match. Parce qu'il y a eu la défense qui a été très très présente. Donc, on espère vraiment un match un peu plus enjoué. Parce que là, un 2-0-0 dans les Classico, c'est pas souvent que ça arrivait. Même au départ de Messi Ronaldo. On a vu que depuis le départ de Messi Ronaldo. Surtout Ronaldo, le Real a pris une petite cote au-dessus. Là, on va parler de la deuxième affiche. Et cette fois-ci, on va en Première Ligue en Angleterre. Et pour moi, ça c'est l'un des plus gros chocs de ce dimanche. Manchester United versus Liverpool. C'est un derby historique avec les deux plus gros palmarès du foot anglais. Avec Manchester United, avec la venue de Ronaldo qui est déjà le club le plus attractif du monde et qui l'est encore plus avec la venue de Cristiano Ronaldo, sachant qu'il y a une équipe assez forte autour de lui. Et l'énigme, c'est peut-être l'entraîneur, mais encore, je pense qu'il peut, avec son équipe, créer la surprise cette année en Champions League et en Première Ligue, qui est très relevée cette année, pourquoi pas atteindre le top 3. Et Liverpool, depuis Jurgen Klopp,
C'est comme le Bayern de Munich en Allemagne, c'est une valeur sûre. Oui. Ça déçoit rarement. Et puis là, on voit Mané, Salah qui depuis le début de saison est le meilleur joueur, je pense, d'Europe. Ouais. Voir, parce qu'il est en train de faire une énorme début de saison avec Liverpool et il met des buts assez exceptionnels aussi. Ça, c'est clair. Déjà, on peut voir qu'il a été ultra décisif contre l'Atlético cette semaine. Et Salah, c'est quand même 9 matchs, 9 buts pour Liverpool au minimum. Donc, il a marqué sur 9 matchs d'affilée, pardon, pour être plus précis, pour Liverpool cette année. Donc, c'est vraiment le joueur le plus décisif avec peut-être sûrement Lewandowski aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'a pas fait une énorme saison l'année dernière. Il aurait pu être dans la discussion du Ballon d'Or. Et pourquoi pas le gagner si on regarde juste son début de saison. Vrai, ouais, c'est... Mais Liverpool en Première Ligue, c'est l'équipe, je crois, qui est invaincue et qui est juste impossible à prendre. Quoi. Donc, et en Ligue des Champions, il reste sur le même... sur la même dynamique. Donc du coup, aujourd'hui, est-ce que oui, aujourd'hui on a une bonne équipe de Manchester avec de bons joueurs, mais ils ne savent toujours pas encore jouer ensemble. On l'a vu là sur le dernier match de Champions League où ils sont allés chercher 3 buts en remontada pour gagner un match. Je trouve que c'est un peu court, l'entraîneur est un peu juste, mais on va voir dans ce match. En tout cas, pronostic pour moi, je dirais que Liverpool va gagner ce match 2-1 ou 3-1. Voilà. Liverpool favori, mais je vois Manchester United remporter le match chez eux 1-0. Allez, c'est parti, on va voir ce que le pronostic va nous dire. En tout cas, c'est le coup d'envoi. Avec Mané, Thiago, Sadio Mané aussi, Firmino. Firmino n'est pas ne joue pas. Ouais, c'est Thiago Jota. J'allais dire, le trio d'attaque de Liverpool est plutôt pas mal depuis le début de l'année. Enfin, il me semble qu'ils ont repris. C'est un trio qui depuis des années marche bien, ça a fait remporter. En tout cas, dès le début, Liverpool donne le temps. Et là, on voit qu'il y a quelques erreurs quand même du gardien qui fait que Liverpool essaie d'en profiter mais n'arrive pas à ajuster. On voit quand même que défensivement, Manchester United n'arrive pas à suivre Liverpool qui très offensivement arrive à bouffer tout le monde en fait. Il garde encore le ballon. Et c'est vrai qu'on remarque depuis le début de l'année que Manchester United est quand même plus une équipe à réaction depuis, depuis le début de saison. Donc il se peut aussi. Le but. Déjà 1-0. Donc, but de Salah. Encore lui. Il a été décisif dans tous les matchs. Il continuera à l'être sûrement ce week-end. Ce serait du coup son 10e match où il marque au moins un but d'affilée. Et ça confirmerait sa bonne dynamique en fait, clairement. Il a un aura au-dessus de la tête là et il peut marquer tout ce qu'il veut. En tout cas, son appel est magnifique, son tir est insaisissable. Est-ce que maintenant, du coup, l'équipe à réaction qui est Manchester United va réussir aussi face à Liverpool? Là, c'est quand même une autre gamme que Villarreal ou encore l'Atalanta cette semaine. Mais c'est vrai que voilà, Manchester United, c'est. Dans le jeu, c'est compliqué. Enfin, ils ont fait beaucoup. Déjà, ne serait-ce que contre Leicester. Ouais, beaucoup de matchs où ils ont été moins forts que l'adversaire, mais à chaque fois, il y a eu un but décisif, souvent Cristiano Ronaldo. Oh là là là. Des entrées de Cavani qui ont fait du bien souvent. Oui, aussi. C'est vrai. Donc voilà, c'est Manchester United. C'est un peu une énigme cette année. Donc, oui, on n'arrive pas à comprendre avec des joueurs de qualité comme ça perdre. Leurs moyens comme ça dans les grands matchs ou petits matchs, c'est un peu bizarre. Ronaldo! Oh là là! Oh, quel but! Oh, le but de l'OM! Et sa spécialité, moins du gauche quand même, mais. On parlait d'une réaction, ça vient de Ronaldo. Il pourrait peut-être gagner 2-1 ce match au final et ça serait du Manchester United quoi. Même face à Liverpool, il pourrait avoir cette réaction dans le match. Ronaldo qui est déclencheur. Individualité un peu comme ça. Donc encore une fois, décisif. Que dire hein? Depuis le début de saison, il a fait remporter beaucoup de points à son équipe, notamment à Champions League. Donc, En tout cas, on voit que les deux stars de l'équipe ont répondu présent quand même. Et donc, on espère vraiment que dans les grands matchs comme ça, ça sera toujours le cas ce dimanche. Oh là là, Keita qui a failli marquer. D'ailleurs, il a marqué un gros goal à ça contre l'Atletico. Donc, on peut attendre de lui d'avoir des grosses frappes un peu comme celle-ci. Pour peut-être aller chercher la victoire. Là, on voit que Liverpool, depuis l'égalisation, ça tourne assez bien le ballon. Fabinho. On a vu Roberto Firmino qui. Ouh là là, Mané. C'est pas loin. Après, on voit déjà entre les deux matchs, on est sur la PS5, on voit déjà que le match de Première Ligue est bien plus attractif que celui de Liga. Et c'est vrai que la Première Ligue est devenue.
est redevenu le championnat. Et ouh là là, quel arrêt qui gagne son duel après une belle passe de Bruno Fernandes pour Cristiano Ronaldo, son compatriote. C'est un duo portugais. Un duo portugais qui. Ça là, la bonne passe. Oh là là, l'arrêt de Théa. Comment il a fait pour l'arrêter celle-là? Alors là, c'est il a fait une brinde d'arrêt du goal. Belle action et bel arrêt. Un partout, on est sur la fin de match. Est-ce que United va encore marquer en fin de match? Un peu trop sauvegardé. En tout cas, Alisson Becker fait une meilleure saison cette année, en tout cas, si on, au vu de cette début d'année, que l'année dernière. En tout cas, il est très décisif. Vous avez juste à voir le match qu'il a fait contre l'Atletico. Il est sur la fin de match. United. United qui est sauvé par son gardien. C'est encore un duel de gardien en fait. On est sur toujours un partout, il reste une dernière action. Est-ce qu'on la verra? Corner pour Liverpool, oui. Ouais, c'est la dernière minute. Jones qui lâche pour aller. Dernière action, attention, Mohamed Salah. Firmino, c'est défendu. C'est bien défendu. Fin du match. Donc ce week-end, le prono dit qu'il y aura match nul, c'est fort possible. En tout cas, voilà, on a dit nos pronostics pour la vraie vie. Manchester qui a réagi, encore une fois. Et pour la vidéo, ça sera 1-1. Donc c'est très intéressant, c'est très très bien. Maintenant, place à la Ligue 1. On parlait en début de vidéo de Barça-Real, le plus gros match du week-end. Honnêtement, je pense que c'est pas être chauvin, mais on peut s'en vanter. Je pense que Marseille-Paris, bon, United-Liverpool aussi, c'est lourd quand même. Mais Marseille-Paris, je pense que le contexte, Marseille qui gaze en début de saison, Paris pour l'équipe qu'ils ont créée, je pense que c'est la grosse affiche de ce week-end. Parce qu'il y a le Vélodrome, parce qu'il y a Marseille, parce qu'il va y avoir un engouement des supporters comme il n'y a pas ailleurs en France et comme il y a très peu en Europe. Donc c'est pour ça que c'est pour moi l'affiche du week-end. Et allez, pour mon pronostic, je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer face à l'Olympique de Marseille. Mais sur le match, je vois un 3-2 pour le PSG. Un beau match avec un petit 3-2 du Paris Saint-Germain. Ok. Bon, pour moi, certes, c'est pour moi aussi, c'est la meilleure affiche de ce week-end. En tout cas, la plus intéressante pour nous, Français, déjà de base. Et quand on voit l'équipe de Marseille aujourd'hui, enfin cette année même, ne serait-ce très plaisante à voir. Et quand on voit Paris avec tous ces joueurs-là, avec la nouvelle arrivée de Messi, etc., etc., ça donne envie, il reste invaincu. Enfin, à part contre Rennes, pardon, mais il reste quand même sur une lancée de victoire, etc., etc. Mais voilà, moi je pense quand même qu'ils sont au-dessus sur footballistiquement parlant, comme on a pu voir sur ces dernières années, malgré que l'équipe de Marseille aujourd'hui est très intéressante. Elle joue très bien surtout. Donc c'est... pour mon prono aujourd'hui, je vois quand même un Paris Saint-Germain 2-0. Allez, 2-1, un petit but de Marseille pour faire un peu valser le stade, ça serait pas mal. On ne sait jamais, il y a toujours de la magie là-bas. Et ouais, ça va être très compliqué. Mbappé aujourd'hui, il est vraiment c'est vraiment lui le plus décisif, le plus déterminant à faire gagner un match ou pas. On voit beaucoup moins Neymar, même Messi qui est décisif en Champions League aujourd'hui. C'est pas que sur lui qu'on attend quelque chose de ce Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, depuis des années, je pense qu'Mbappé est vraiment le leader de cette équipe et il le montre. Ouais, mais cette année, encore plus marquant avec malgré l'arrivée de Messi, on voit que Mbappé, c'est l'homme du PSG et c'est celui qui fait gagner son équipe, clairement. Il est déclencheur de beaucoup de situations. Et là, récemment, avec la Ligue des Nations, Mbappé il retrouve un niveau que très peu peuvent égaler, je pense. Quand il est comme ça, il est infernal. Et il fait du bien à l'équipe de France. Et pour le Paris Saint-Germain, avoir un joueur comme ça, on comprend pourquoi il ne voulait pas le faire partir gratuitement. Parce que ça serait une perte. Ça serait une perte comme jamais il aurait eu, je pense, vu la valeur qu'a réellement Mbappé sur un terrain. Qui est aujourd'hui plus importante que Neymar et par rapport à Messi, parce que Messi a quand même un âge avancé maintenant. Même s'il est toujours aussi efficace et précis dans les actions. En tout cas, on a pu voir que c'était Paul Lopez dans les cages. Mandanda, peut-être, je ne sais pas, est assez court ou blessé. En tout cas, on voit qu'il est ultra décisif, mais le but quand même d'Ender Herrera après sa deuxième frappe. Donc, on voit quand même, c'est un joueur qui fait pas beaucoup de bruit, qui est pas charismatique dans le jeu,
Et dans l'être qu'il est tout simplement, mais il est toujours aussi décisif, c'est-à-dire que c'est le genre de mec qui va te décocher une frappe par-ci par-là, qui va être bien placé, et on peut le voir là-dessus. Il a été efficace, donc croisé, Paul Lopez trop court. Mais voilà, Paris Saint-Germain commence. Qui mène 1-0, qui bon pour l'instant c'est assez probable. Et on parlait de Paul Lopez, le Paul Lopez qui fait quand même. Quelques matchs intéressants, et c'est vrai qu'avec Mandanda, sur l'absence, je ne sais pas si c'est une blessure ou un manque, est-ce que c'est le niveau qui est différent. Après, Mandanda aussi, qui est plus tout jeune, hein, il a eu sa gloire, et forcément, on ne peut pas être éternel. Ça, c'est sûr. C'est là, il y a une perte de balle marseillaise. Et oh, la passe de Neymar pour Mbappé. Mbappé direct. Efficace, ça, c'est. Voilà. Sa signature. Mbappé, je pense qu'en plus, Mbappé, le vélodrome, c'est un stade qu'il aime. C'est ça. Il a souvent brillé face à Marseille, donc je pense que pour le Classico de ce week-end, Mbappé, il sera présent et il ne va pas rater grand-chose, je pense, dans les matchs comme ça. On peut voir quand même que dans ce match, dès que Marseille perd le ballon, il y a une contre-attaque. Ça va trop vite. Ils ont pas le temps de rattraper les joueurs offensifs. Et défensivement, ça bouge pas beaucoup déjà, ne serait-ce dans l'équipe parisienne. Mais il va falloir faire attention à ça, je pense, dans le réel classico. Parce que dès qu'il y a une paire de balles, ça va au bout, quoi, quasiment. Donc là, juste avant la mi-temps, il y a une passe, etc. etc. Là, ça joue, pas c'est mal. C'est très fluide là, du côté du Paris Saint-Germain. Oh là là, ça joue bien. Mbappé qui l'a fait. Neymar qui marque. Non, il n'y a pas hors jeu. En fait, c'est l'arbitre qui siffle. C'est aberrant, c'est la première fois que je vois ça. À la mi-temps, ah, d'accord. Il siffle la mi-temps, la connexion est encore en train de se jouer, il y a but. J'ai jamais vu ça. Bon. Il fallait bien que ça arrive un jour. Bon. Dans la vraie vie, il est mort, l'arbitre, faut dire ce qu'il d'accord, est. Quel arbitre. Ah ouais, bon, ben, c'est étonnant. Plus qu'étonnant. De toute façon, déjà, c'est étonnant parce que Paris joue très bien là, et dans la vraie vie, c'est pas encore ça. Bon, je charrie un peu, mais en tout cas. Avant le but de la mi-temps, là, on a eu une action du PSG où ça joue une touche de balle. On n'a pas encore vu ça chez le PSG cette année, ou très peu, donc... Après, ça peut être le genre de match où, mais il se où ça, ça se déclenche, ouais. C'est ça. Ça peut être un match déclic, et... Père de balle, Marquinhos. Oh, Conrad fait gagner pour... c'est de la Fuente. Qui avance, oh, Hakimi, c'est rapide, c'est plus ouais, ça. Mais de la Fuente aussi. C'est gardé. Belle passe. Ah, Payet qui touche le ballon, Under. Undertaker. Qui recentre. Undertaker qui... Eh, 2-1. Bien joué, Marseille. 2-1, donc pour l'instant, c'est très serré. Et Marseille qui, avec ce coup du sort d'avant mi-temps, a peut-être été galvanisé. Ah, ça c'est sûr, mais en tout cas on peut dire que Under est vraiment décisif pour Marseille cette année, surtout en début de saison. On le voit un peu moins depuis ses débuts très intenses. Mais en tout cas, voilà, on peut dire qu'on peut faire attention à lui pour le jeune Turc là. Et que du coup le PSG, va falloir faire attention à lui. C'est un petit lapin qui passe un peu partout. Ouais, en tout cas, la Marseille, depuis ce but, a le ballon. Payet, cette passe. Je pense que c'est de la fois. Qu'est-ce que c'est bien joué. Quel arrêt. Quel arrêt de Donnarumma, c'était dans l'angle fermé. Il a bien fermé. On a vu Ramos aussi là en défense. Est-ce qu'il sera là pour le Classico? Ça aussi, c'est une énigme. Ouais. C'est un genre de match où, pareil, Ramos commençait comme ça pour lui au PSG. Je pense que c'est le genre de mec qui demande que ça et, bien sûr. Et qui peut de suite montrer. Mais sa grinta, comme il l'a montré déjà au Real Madrid tout le long de sa carrière là-bas. En tout cas, le PSG, ils sont très en forme. Et ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Ça joue petit, ça joue très bien. Bien défendu, Guendouzi. Oh, Guendouzi a perdu le ballon. Ah, pas là. Messi. Oh là là, ce but. Le but à la dernière minute qui fait sceller le sort de Marseille et allez. Qui fait gagner clairement le PSG 3-1. C'est marqué à la dernière minute comme ça. Ah oui. Et faire gagner un peu comme c'est très bête à dire Ronaldo en dernière minute de cette semaine là contre l'Atalanta. Le sort un peu de Marseille et alors et Guendouzi oh là là Guendouzi récupère qu'il a perdu direct cher, cette faute. Et là boum oh là là Lucarne Paul Lopez de Lionel Messi là c'est des buts qui sait mettre ça bouche ça envoie du pâté du fiacre voilà. Là c'est nickel dans la lucarne bien joué en tout cas on a vu que des actions parisiennes un peu, il y a eu quelques faits de jeu de Marseille qui auraient pu égaliser d'ailleurs. Oui, enfin, sur ce quelques peu de trucs, j'espère qu'ils sont aussi efficaces que ici, mais en tout cas voilà, Paris ils chient pas sur la colle. Non là franchement ils ont efficaces. Après un but comme ça, Lionel Messi, je pense que au Vélodrome ça peut être Un peu comme Cavani en avant. Ouais. En tout cas voilà, match terminé.
3-1, donc victoire du Paris Saint-Germain. C'est pas écrasant, non, mais... C'est pas écrasant, mais voilà, au moins un but de Marseille. C'est les erreurs de Marseille aussi qui coûtent cher. Bien sûr, bien sûr. Mais quand tu vois le premier but, déjà, perdre deux balles et que tu as fait la deuxième, si tu la perds très haut et contre-attaque, c'est sûr qu'il va falloir mouiller le maillot au pied comme il faut pour éviter que les Parisiens se baladent dans ce match. En tout cas, dans ce classico, mais comme on peut le voir, je pense que de tous les pronostics qu'on a fait avant le pronostic Inter Milan Juve, c'est celui-là qui était le plus attrayant. On était assez proche, et puis, mais honnêtement, ce match va être attendu. Et honnêtement, personnellement, j'ai hâte de voir ce match parce que ce Marseille-Paris aura une saveur particulière et je pense qu'il va rester. En tout cas, on passe au dernier match de ce dimanche 24 octobre. La dernière affiche, Inter de Milan Juventus, le champion en titre face au, je crois que c'est celui qui a gagné tous les titres juste avant. C'est un match très intéressant car l'Inter reste quand même sur une défaite contre la Lazio et a envie de se rattraper. On peut voir aussi quand même qu'il y a un joueur qui s'appelle Lautaro Martinez qui est juste énorme en ce moment, que ce soit dans sa sélection ou dans son club, même s'il n'y a plus Lukaku. Aujourd'hui, ils ont quand même gardé cette aura et cette façon de jouer, malgré le changement d'entraîneur. Donc ça peut être un match très intéressant. Et côté de la Juve, il y a eu quelques changements. Le départ de Ronaldo, certes, est marquant, mais il y a toujours ce joueur que j'adore, Chiesa, qui peut changer complètement un match. On l'a vu à l'Euro, juste très déterminant. Et on espère vraiment que ça va être un très très beau duel. Même si, pour moi, c'est l'affiche la moins intéressante, à dire, que des trois autres. Mais ça reste quand même une affiche de grand niveau, surtout en Italie. Oui, ça reste un match historique, comme ça peut être Juventus-Milan, Inter-Milan ou Inter-Juventus. Ce match, c'est, je pense, pour le pronostic, je vois la Juventus gagner ce match. Depuis quelques temps, la Juventus, ils sont quand même sur une pente ascendante. Ils ont raté leur début de saison. Ouais. Perturbé ou pas par le départ de Cristiano, je ne sais pas. En tout cas, je pense que ça a été un gros changement. Et aujourd'hui, la Juve, que ce soit en Champions League, où ils sont premiers du groupe, et même en championnat où ils reviennent bien, ils sont sur une bonne dynamique. Et la Juventus, ça reste quand même le club numéro 1 d'Italie, enfin, sur l'histoire, sur récemment, l'histoire récente. Donc je pense que la Juventus s'imposera à l'Inter, et je les vois même gagner avec la manière 2-0 à l'Inter de Milan. Alors pour ma part, le pronostic était, moi je suis complètement d'accord sur ce que tu dis sur le fait de la Juventus qui revienne bien, etc. Ça reste quand même à l'Inter, donc c'est des matchs assez difficiles à gagner avec une défense de fer des deux côtés. Donc je dirais une petite victoire 1-0 de Juventus, mais honnêtement, ça me choquerait pas si c'est l'inverse 1-0 de l'Inter de Milan. L'Inter est légèrement favori, je pense, de par ce qu'ils ont montré l'année dernière et la dynamique depuis deux saisons de l'Inter. Mais c'est vrai que la Juve, ça peut être un match aussi déclic. C'est vrai que c'est ça peut être un match où vraiment ils reprennent un peu le dessus sur la Serie A et qui pourrait les relancer dans le top 3, parce que c'est vrai que la Juve pour l'instant ils sont un peu en retard lié à leur début de saison. C'est ça. Donc ils sont sur un top 4, ça c'est mon chat, voilà, merci. Mais en tout cas, ils sont sur le top 4 de ce truc. Moi je dirais que Rabiot est dans la dynamique de tout ça, quoi. Enfin, Locatelli, pardon, pour être plus précis. Voilà, Locatelli qui a rejoint cette année la Juventus et Handanovic qui est juste énorme. De par sa dynamique, car lui ça fait des années et des années qu'il a un niveau plus qu'énorme. En tout cas, oui, on voit que des actions de la Juve. Là, Dybala qui essaye, Handanovic, trop simple. L'Inter de Milan, cette année, il y avait eu des critiques, je crois, sur Handanovic. Handanovic qui, début de saison, il me semblait, a eu quelques critiques. Après. Lui aussi, c'est un gardien qui a de l'âge maintenant, comme ça. Mandanda, mais quel arrêt. Et qui a fait une bonne carrière à l'Inter Milan. En tout cas, oui, on peut voir déjà que la Juventus a le pied sur le ballon et vraiment, oh là là, mais quel arrêt. Sinon, il est vraiment partout Handanovic dans ce match. Et on voit que vraiment, la Juventus, malgré toutes ses actions, même s'il n'y a pas 400 000 actions dans le match, on voit vraiment que c'est la Juve qui a les moments les plus forts.
Donc ça contient encore des tirs de loin. Handanovic, trop simple pour lui. En tout cas, voilà, on se retrouve à la fin du match complètement. Et là, on voit enfin l'Inter de Milan avoir la possession et avoir le ballon. Donc, est-ce que ça va être déterminant? Je ne sais pas. Catenaccio, formidable. Comme jamais. Lautaro. Peut-être. Lautaro, oh, le but à la fin. Le but à la fin, décidément. Oh là là. Et là, ça a été ultra déterminant. Ah oui. Et on parlait de lui au début du match. En tout cas, voilà, on attend vraiment lui de ça. De sa part, un gros match et être décisif comme maintenant. Ça se peut. Et franchement, il régale. C'est un magnifique but de l'Inter. Donc, et ce match-là, en gagnant comme ça, pourrait les rapprocher encore de Naples. D'ailleurs, Naples, c'est l'équipe intouchable en championnat depuis le début de saison. Donc là, l'Inter, en gagnant comme ça, oui, pareil, pourrait reprendre un boost dans ce championnat où ils sont quand même les favoris pour le titre depuis le début de saison. C'est ça. Donc franchement, marqué à la dernière seconde, même ne serait-ce, parce que là, et donner la victoire à l'Inter alors qu'ils étaient complètement bouffés par la Juventus, en tout cas sur ses actions, c'est déterminant, et l'arbitre qui va sûrement siffler, et voilà, il le fait. Donc victoire de l'Inter, donc je vous rappelle juste les vainqueurs et les matchs nuls, donc match nul classico espagnol, victoire, non, match nul aussi pour la première ligue entre Manchester United et Liverpool, et victoire du Paris Saint-Germain et de l'Inter. On se retrouve mais bientôt pour d'autres vidéos du Game of the Week, enfin Game du Weekend, pardon. C'était sympa, on a eu la compagnie de Valentin. Un dernier mot, et on se quitte sur ça. Eh bien, merci à toi pour l'invitation, Bassem. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, retenez bien, Benzema sera Ballon d'Or. Allez, ciao!